Jeudi 6 avril, place de la Révolution. On est toujours en 1793. C'est la première fois au monde qu'on exécute un roi. Georges va actionner la lame et ensuite, le troisième assistant, lui, prend la tête et le montre à la foule. Tout le monde a crié, était très heureux. Donc je vais vous demander d'avoir cette réaction en criant et en criant « Vive la Révolution !» À mort le roi est mort. D'accord ? Le fait d'être sur cette planche ligotée puis basculée à l'horizontale et mis sous cet engin, c'est une chose qui est très impressionnante dans la tête. Mais moi, je retiens en tout cas une chose, c'est que je crois que ça conforte absolument l'idée d'être contre la peine de mort. Pas tellement pour soi, parce qu'une fois qu'on est dessous, c'est vrai que ça va extrêmement rapidement, mais ce que de toute façon qui est insupportable, c'est le regard d'effroi qu'ont les gens à votre égard. Le 7 avril.